Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 9ème épisode du Let's Play sur Chrono Trigger. Dans l'épisode précédent, on est revenu, enfin on a appris de la magie déjà, on a rencontré un personnage qui nous a appris à utiliser la magie. Ensuite, on est retourné dans une zone avec des monstres, toujours dans notre époque, et là on est revenu dans notre village, où on doit utiliser le portail. Chrono, je vous dois beaucoup, vous avez sauvé ma peau. Quelle histoire, j'ai fait un voyage en bateau et j'ai terminé en prison avec un régiment de voleurs. Les magistrats ont décidé de m'exécuter sans jugement. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Nous sommes à votre service, merci encore. J'espère que papa ne saura rien de cette histoire. Tu as 10 éthers d'eux. Papa! On travaille dur? Mais évidemment, hein. Oui. Bien, ça va. Chrono, j'ai une dette envers vous. Maintenant, Chrono, parlons affaires, s'il vous plaît. Achetez tout ce que vous voulez. J'ai 6000. Déjà, je vais m'acheter... On va en acheter 11. Des antidotes, j'en ai plein. Des tentes, j'en ai pas mal. Les remèdes tout court, ça va plus me servir à grand chose. Il me reste 10. Allez, je vais reprendre 5. Tentes, j'en ai encore pas mal. Donc, pour le moment, ça va. Merci. Non merci. J'ai utilisé bêtement une tente. Ouais, ok. Ah, j'ai utilisé une tente bêtement, enfin après c'est pas très grave mais. Venez, prenez votre temps, je préfère vous servir qu'elle est la fête de toute façon. La musique, elle est un petit peu glauque. Ça, je sais pas quand est-ce que je vais les débloquer, mais on a rencontré pas mal de sauts comme ça. Tu te souviens du tremblement de terre il y a quelques jours? Oui. Il y en a beaucoup trop. Quelque chose ne va pas. J'espère qu'il n'est pas en train d'arriver. Là, il faut que j'aille à la fête pour utiliser le portail. Donc là, je demande au Moyen-Âge pour essayer de tuer le bonhomme qui a... Ah. Donc là, j'ai deux zones en plus. Déjà. Salut, robot. Bonjour, monsieur vieil-homme. Là, c'est vrai qu'on ne peut rien faire ici. Donc pour la magie, c'est dans cette salle-là, hein. Oui, allez, on va aller au canyon.
retrouve les petits monstres qu'on avait déjà affrontés par le passé. Les coffres, on les avait déjà ouverts. Ça va, après, eux, ils nous font pas grand chose. Des ailes de phénix, j'en ai encore 6, donc je vais pas. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille là. Notre stock de nourriture est épuisé. Nos rations s'épuisent, les stocks du château de Gardia vont y arriver un jour. Nous ne pouvons pas vaincre Magus par nous-mêmes, notre seul espoir est le héros. En formant un cercle protecteur autour du héros, les meilleurs chevaliers du royaume lanceront l'offensive. Je n'ai jamais cru ces histoires sur le héros et sa médaille. Maintenant, il semblerait qu'il soit notre dernier espoir. Le héros a-t-il le pouvoir de combattre l'armée de Magus? Bon, bah apparemment c'est pas là. On va aller voir à l'église vite fait si je peux. Bon. On va aller voir au château. Halt, qui va là? Oh, c'est encore vous? Messire Chrono, le héros légendaire est apparu. Il est venu rencontrer le roi. Le roi a été blessé et il se repose dans son lit. À ce train-là, la reine Lynn succombera aussi. Sirius nous a envoyé ce garçon. Oh Chrono, j'ai déçu mon royaume. Comme nous ne trouvons point Sirius, notre seul espoir réside dans ce garçon qui a la médaille du héros. Il fouille le continent sud mais peut pour trouver l'épée qui peut vaincre Magus. D'accord.
Faut que j'aille au continent sud. Je suppose. Les troupes de la Gus nous avaient coincé, mais la venue du héros nous a sauvés. Le héros, il vient juste de partir voir le roi. Bah, y a personne avec le roi. Soit je suis totalement miro, soit y a pas le héros là. J'ai si honte. Je l'ai traité comme un gosse. Par chance, il m'a pardonné. Un héros, un vrai. Bon bah on va aller voir, on va retourner au pont. Là sinon je ne sais pas. Le saut. Donc, il doit y avoir un truc que j'ai. Il doit y avoir un truc à faire au château. Ou dans la forêt peut-être. Magus a déjà vaincu 3 de nos meilleurs guerriers. Et une pénurie de nourriture sur le front. J'ai entendu dire qu'un héros se serait montré. Je suis désolé, les lits sont tous pris. Le roi fait de son mieux lui aussi, alors secoue-toi. Même le capitaine des chevaliers est parti au front. Ok. Peut-être qu'il faut que j'apporte le stock de nourriture, je sais pas. Le chef essaie de préparer de la nourriture pour le fond pendant qu'on garde le roi en bonne santé.
devons ramener le roi à la santé. Chef, plus vite avec la nourriture destinée au pont Zedan. Et toi, ce plat est-il assez bon pour le roi? Quoi, mon frère, il est... Sa force de croire qu'il est le seul à se battre pour son pays. Hé hey, arrêtez vos histoires et soyez adultes. Tais-toi, qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, vas-y maintenant. Les hommes sont tous fous. Ils le cachent, mais le chef est très inquiet pour le capitaine. Ces deux-là cherchent vraiment moyen de se racheter. Bon bah... C'est ce que c'est dire que j'ai récupéré de la nourriture, j'en ai aucune idée. Attendez! Prenez ceci avec vous. Ah, ok! Tu as une viande. C'est pour vous, prenez cela. Une table force. Et dites à cet idiot qu'il ferait mieux de revenir en vie. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas mal de tables de trucs. Que je pense à vendre les objets qui me servent à rien aussi. Ça me prend de la place dans l'inventaire et je pense pas que ça nous soit très utile pour plus tard. Ok, donc fallait parler au cuisinier. Maintenant je peux aller au pont Zedan. Bon, ce que je vais faire, c'est avant de rentrer dedans, on va faire une petite sauvegarde ici. Ah, ils se sont fait un peu décimer. Le stock de nourriture est épuisé. Ah là. Messire Chrono, es-tu est-ce pour nous? Itération, le cuisinier nous a sauvés. Messire Chrono, si je ne reviens pas, remercie mon frère. Mais tu vas revenir, t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Les troupes de Magus ont lancé une offensive. Elles ont percé nos défenses. Arrêtez de pleurer, c'est honteux venant d'un chevalier de la table carrée. Nous devons détruire les troupes de Magus et sauver l'honneur. Mais nous sommes peu nombreux. C'est notre dernière ligne de défense. Nous ne devons laisser passer personne. Compris. Je suis aussi général de Magus. Ceux qui osent défier Magus ont affaire à moi. Oui, mon enfant, donne-leur une idée de l'enfer. Non, on va faire autre chose. Jet de flamme. D'accord, ça lui fait rien. Thank you.
T'as lui fait rien, quoi. Non, on l'a battu. Ces idiots sont plus forts que je ne le pensais. Attendre déjà. Je vous ai mal jugé, mais je ne ferai pas ça deux fois. Ok, transforme en squelette. Vous êtes mort. J'aurais peut-être dû me soigner un peu quand même. En fait, faut juste vraiment cibler Ozzy, c'est plus rapide. Zut! C'est ça, vous êtes mort maintenant. Ne touche pas à Chrono, tu le regretteras. Va, Zombor, écrase les ennemis de Magus. Ah, ok. On va juste faire glace. On va tenter feu sur la tête pour voir. Parce que si je peux éviter de le soigner, ce sera peut-être plus intéressant. Sinon, je ferai des attaques normales ou j'utiliserai Lucas pour soigner. Ah, ok. Donc ça... Lucas soigne juste. Elle va juste soigner. D'accord. Alors, glace, ça marche en haut. Lucas, on a dit, elle va se soigner.
Ok. points, 10 points de tech, 1500 gils. On va se soigner. Ouais, on peut faire autre chose. Ah, j'ai plus de paix avec Lucas. D'accord. Avec Marge, je veux dire. Grâce à Messire Chrono, nous tenons le pont, mais à moins que nous vainquions Magus, c'est une victoire inutile. Nous tenons le pont Zenan avec l'aide de Messire Chrono. Oh, c'est cool. Alors j'hésite à visiter la ville. Bon, il y a un marché, ça me va bien. Le héros est apparu. Il semble que l'épique bataille va commencer. Bienvenue, que puis-je pour vous? Ça, je vais en reprendre un peu quand même. Il doit bien avoir une auberge dans le village. Maison du maire. Auberge, voilà. Salut, ça te fera 5. Ouais, oui. On va aller à l'auberge. Ok, donc là normalement je suis soigné. Donc j'ai encore utilisé plein d'objets de soins pour rien. Ce qu'on va faire, c'est que ouais, on va s'arrêter là sur la map. Et on reprendra peut-être lundi, mais je ne suis pas sûr. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai la suite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Chrono Trigger. Et d'ici là, portez-vous bien. Et Twitch, bah, merci aux gens qui sont passés. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Chrono Trigger. A bientôt, ciao!